existe un joli petit village. Au milieu des maisons, il y en a une qui s'enfile de tout ce feu. C'est la maison du Père Noël. Ce soir-là, la neige tombe et des milliers de flocons dansent dans le ciel. Voici le jour tant attendu des enfants. Nous sommes le 24 décembre. La joie et la bonne humeur règnent dans la maison du Père Noël. Ses amis les lutins sont venus l'aider pour les derniers préparatifs. Rapprochons-nous plus près pour voir ce qui s'y passe. J'attache la dernière sangle. Oh, doucement, tonnerre. Tu m'as fait peur. Je vais vérifier si tous les rênes sont présents. C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris. On avait fendu nos pas devant la cheminée pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. Blottis bien au chaud dans leur petit lit, les enfants sages s'étaient déjà endormis. Maman et moi, dans nos chemises, venions à peine de souffler la bougie quand tout dehors, un bruit de clochette me fit sortir d'un coup de sous ma couette. Filant comme une flèche vers la fenêtre, je scrutais tout là-haut le ciel étoilé. Au-dessus de la neige, la lune étincelante illuminait la nuit comme si c'était le jour. Je n'en crus pas mes yeux. Quand apparut au loin un traîneau et 8 rennes pas plus gros que le poing, dirigé par un petit personnage enjoué. C'était le Père Noël, je le savais. Thank you.
Sunset, take it.